Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Anne Monchamp, présidente de l'Agence Entreprises et Handicap, ex-secrétaire d'État aux solidarités et à la cohésion sociale. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes sur ce salon aujourd'hui à Marseille pour prouver et pour empêcher qu'il y ait des freins au handicap et à la création d'entreprises. Handicap et création d'entreprises, c'est possible? Oui, tous les visiteurs du salon témoignent de la vitalité des forces vives économiques de notre pays qui dépassent les barrières, qui renversent les murs pour développer leurs propres activités, qui cherchent à le faire en tout cas. Eh bien, parmi eux, j'imagine que certains sont des personnes en situation de handicap. Elles sont invitées à cette œuvre de croissance et de développement de l'économie française. Et mon passage sur ce salon, outre le côté militant et la reconnaissance pour cet événement majeur que suit en particulier le groupe Les Échos, que promeut le groupe Les Échos, eh bien c'est qu'on n'oublie pas la situation particulière de ceux qui sont en situation de handicap et qui sont aussi de redoutables entrepreneurs. Qu'est-ce que vous leur dites, par exemple, s'ils ont un projet de création d'entreprise et qu'ils doutent de le lancer? Comment est-ce que vous les encouragez? Je les encourage tout simplement parce que, au fond, ils savent mieux que personne comment adapter leur activité. Ils savent mieux que personne convaincre. Toute leur vie, toute leur activité personnelle, effectivement, s'est construite à partir de cette recherche d'équilibre nouveau. Nous sommes dans une société qui, de temps en temps, aime bien ne regarder que les formes standards. Dans la diversité, il y a la richesse et il y a la capacité d'innovation. Donc, ils ont véritablement des choses très importantes à révéler à cette société tonique et riche de promesses pour une nouvelle fois la croissance économique de notre pays. Est-ce que vous avez des projets d'accompagnement dont vous êtes particulièrement fière? Quelque chose que vous pourriez nous raconter? Oui, chez Entreprises et Handicap, nous développons en ce moment un groupe de travail extrêmement prometteur. D'ailleurs, nous publierons à ce sujet, qui porte le doux nom de Noé. On l'a un peu emprunté à Emmanuel Large Macron. L'Arche de Noé, non? C'est l'Arche de Noé, bien sûr, et c'est les nouvelles opportunités économiques. Et nous essayons de montrer que ces nouvelles opportunités économiques, et en particulier la transition numérique, suggère une évolution de tout ce que d'habitude on appelait la politique d'emploi des personnes en situation de handicap, la compensation, l'accessibilité. L'accessibilité dans l'entrepreneuriat, on la repense complètement différemment. Ça n'est pas la rampe d'accès, ça n'est pas, j'ai envie de dire, le simple clavier en braille, même s'il est tout à fait important. C'est le temps d'accès. Et c'est le confort d'usage. Et en se projetant, au fond, dans ces nouveaux usages et dans cette nouvelle réalité et ces nouvelles opportunités économiques, c'est toute la société qu'on suggère de transformer. Et j'y crois très fort. Oui, il faut aller au-delà parce que ça fait avancer tout le monde, finalement. C'est exactement ça. En fait, on inverse la charge de la preuve et on suggère que tout le monde, les plus seniors, les personnes momentanément fragilisées, les personnes qui doivent travailler de chez elles, les personnes qui travaillent loin, puissent avoir une véritable contribution. Et je suis absolument convaincue qu'en découvrant les stands de ce magnifique salon, eh bien, je vais trouver des tas de pistes et des tas d'idées. Merci beaucoup, Marie-Anne Monchamp. Merci à vous. Absolument, je vais regarder.